plus on est sur de la compétence et plus on a confiance en soi. Après, il faut une aisance de parole. Moi, j'ai été prof dans ma vie, puis j'ai beaucoup présenté de choses, donc c'est vrai que je ne suis pas inquiète. Et puis, il ne faut pas être trop inquiet de l'image que l'on donne. Je me souviens d'une émission que j'ai faite, assez longue, où la personne me suivait très longtemps. J'avais confiance dans son talent, dans son intelligence, donc j'ai pas... elle filmait ce qu'elle voulait. Et je pense que quand on complique un peu trop, on se met trop en scène, finalement, c'est le contraire du bon fonctionnement. C'est-à-dire, les téléspectateurs, les gens qui écoutent une radio, les auditeurs se rendent toujours compte qu'il y a de l'authenticité et du naturel. Ça marche très bien, l'authenticité et le naturel.